la fin de la saison dernière, Karim Benzema a pris la décision choquante de quitter le Real Madrid à la fin de son contrat, bien qu'un renouvellement lui ait été proposé. Il a choisi de mettre fin à 14 ans de collaboration avec les Blancos pour rejoindre le club saoudien d'Al Ittihad, devenant ainsi l'un des premiers joueurs de l'été à partir pour le Moyen-Orient. Quitter l'élite du football européen alors qu'il est encore au sommet aurait pu être un risque pour Benzema, mais c'est un risque qu'il estime justifié. Lors d'un entretien avec les médias officiels de la Saudi Pro League, le Français s'est exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Al Ittihad. Lorsque le projet footballistique a été lancé en Arabie Saoudite, il semblait énorme à tous points de vue. Je voulais en faire partie et aider le football à progresser dans ce pays. Il y a beaucoup de passion ici et je suis heureux du niveau du jeu. Je suis vraiment surpris par le niveau de l'Arabie Saoudite. Car en Europe, on ne voit pas beaucoup de matchs de football ici. Maintenant, c'est le cas. Benzema a également révélé que sa religion lui avait permis de s'installer très rapidement en Arabie Saoudite. En tant que musulman, quand on est à la Mecque, on se sent en paix. C'est un endroit exceptionnel. L'Arabie Saoudite est un pays musulman. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et je me suis senti tout de suite aimé. Benzema est également revenu sur son départ du Real Madrid cet été, estimant qu'il avait accompli tout ce qu'il avait entrepris après son arrivée à Lyon en 2009, ce qui a facilité sa décision. « Je suis très heureux et fier de tout ce que j'ai fait et gagné avec le Real Madrid, mais je pense que pour moi c'était le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau dans ma vie après tout ce que j'avais déjà gagné à Madrid. » Le Real Madrid a évolué en l'absence de Benzema, notamment grâce à l'influence d'un certain Jude Bellingham. Néanmoins, le joueur de 35 ans reste un élément important de l'histoire récente du club.